sin. Hope you'll find the right man who fix it for you. Baby, baby, are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Pay that fine with dancing all the time. I am still this day. Since I come home from my body, get on back, you're still on business. Your children in the way your life's a dragon. Don't you hurt me no more. I'll be no more. I want to come on over the way. I'm not afraid to
Amy Winehouse, live pour le JT de la musique ici aux Oracles de Belfort. Et c'est sans doute avec Julien Delix le live qui a le plus marqué hier vendredi. Beaucoup, beaucoup de monde sous le chapiteau. D'ailleurs, il faut savoir que c'est plus de 100 000 personnes qui viennent ici et qui font le déplacement sur les Oracles de Belfort. Alors, comment ce magnifique site de Belfort supporte-t-il le passage de cette horde de festivaliers? La réponse maintenant en images. Les festivaliers déferlent aux Eurockéennes, ils balaient tout sur leur passage. Heureusement, depuis 5 ans, le recyclage est à l'honneur. Les gens consomment à peu près 2,5 boissons sur le festival. On est à 1000 fûts de consommation de bière. Depuis 19 ans, nous sommes vraiment très vigilants à ce que le site soit rendu dans l'état dans lequel on le trouve à l'arrivée. Mais cette année, nous avons mis en place une grosse logistique qui fonctionne très très bien. Ce matin et jusqu'à l'ouverture des portes, des dizaines de personnes ont ratissé le site. Après, place au tri des déchets. Information, sensibilisation, émotion. Non, pas émotion, ne nous emballons pas. Nous avons mis en place ce qu'on appelle des éco-points, avec un système de poubelles, avec des... Et un autre groupe qui fait sensation ici, Cold War Kids, les Californiens qui ont explosé tout comme Lily Allen et Arctic Monkeys grâce à Internet. Ils étaient cet après-midi ou en fin de journée, disons, sous le chapiteau. On a capté les images pour vous. C'est le live maintenant sur Europe 2 TV. Regardez. Okay, this is the last tune we're going to do for you. We're called Cold War Kids. Thanks for coming out today and watching us. Have a great rest of your day.
Kids en live ici au JT de la musique pour les Eurocannes de Belfort 2007, du live, de l'exclu, des interviews. Tout à l'heure, Phoenix sera avec nous sur le plateau du JT de la musique. Et puis là, c'est Abdelmalik pour une interview et quelques extraits de son live. Regardez. Moi, je me sens à ma place partout. Partout où on m'invite, je viens. De chanter. Mais à la première répète, on a sifflé une bouteille de vodka et on a fait un morceau de funk. Enfin, du funk, rien à voir avec le funk version James Brown. Ici, c'est du funk façon Brésil. Des beats brésiliens de malade avec toutes sortes de samples. Et le son de Miami. Et des gens qui parlent de sexe, de fêtes, de drogue et de violence. C'est très réaliste. Ouais, joyeux. Et très joyeux. Le baile funk, ou funk carioca, nous vient des favelas de Rio. Il a contaminé les classes moyennes et aisées brésiliennes jusqu'à nos oreilles averties. C'est une musique de fête. C'est fait pour danser. Pour picoler. C'est pas seulement ça, tu peux aussi faire ton ménage en nous écoutant. Oui, tu peux faire ta gym dessus. Mais c'est pas le genre d'album sur lequel on se pose en écoutant attentivement les paroles, déjà parce qu'elles sont en portugais. Hein. Et même si on comprend le portugais, c'est pas mieux de toute façon. Laissons donc nos cerveaux au vestiaire. Bande de rôle égale baile et funk plus électro plus sample à gogo. Fin de la leçon. Soyez les bienvenus sur Europe 2 TV pour ce JT de la musique en direct des Eurocannes de Belfort. Je viens de l'apprendre à l'instant. Demain, nous aurons le live de Phoenix qui était avec nous il n'y a pas très très longtemps. Et puis, en parlant de live, on va regarder maintenant celui de Justice, un live très controversé. On en parlera tout à l'heure et ils seront là avec nous, les journalistes du JT de la musique. Mais pour l'instant, à quoi ressemble le live de Justice? Eh bien, à ça. It was such a
Et comme promis, en direct ici, les images d'un autre live qui n'a pas fait l'unanimité hier, celui de Marilyn Manson, à part les fans purs et durs. Visiblement, tout le monde n'est pas rentré dans les délires de Papy Manson. Voici les seules images qu'on a réussi à soutirer en exclu pour vous. C'est sur Europe 2 TV, regardez. Assez magistral en fait. Ils s'en pâtent un peu quoi. C'est moins impressionnant que dans les DVD ou... Enfin un peu déçu quand même. En écoutant son nouvel album, on voit qu'il a un peu évolué, qu'il s'est un peu plus calmé et puis donc c'est peut-être dû à ça aussi. C'est un nouveau Manson, mais encore mieux qu'avant. Pour moi, c'est un rocker comme un autre, quoi. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus impressionnant, de plus vivant, qui bougeait un peu plus. Franchement, génial. On est super dans l'urgence, autant vous le dire, ça y est, Queen of the Stone Age est sur la grande scène ici aux Hurricanes de Belfort, donc on fonce directement là-bas, c'est parti. Ah, attendez, Just Home arrive, Queen of the Stone Age. Pour l'instant, je vais juste faire un petit coucou à mes camarades qui sont là, les journalistes, alors il y a le rédacteur chef du JT de la musique, mon Stan du TIE sur en 2 et puis Xavier de l'Est Républicain qui sont là avec nous. Rapidement avant le concert de Queen of Stone Age, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez pu voir? On commence par toi, peut-être Jean-Louis. Bah, je vais pas jouer les troubles faites, mais moi j'étais un peu déçu. On y va directement. The Queens of the Stone Age, ils sont sur scène, ils commencent leur deuxième titre à l'instant, donc moi je vais arrêter de parler et c'est à vous d'apprécier. We'll be right back.
to drop, baby, I ain't balls. There ain't even no good bad jokes. If you don't know act like you do, give them a taste and the best that fell. Don't forget this place.